Bonsoir à tous. Merci de nous permettre de recommencer cette saison, hein, votre émission Santé 10. Vous le savez, votre santé reste une priorité. Ce soir, pour la première de cette saison, Santé 10 a décidé de... l'actualité oblige de parler de ce Covid-19 qui pour nombreux d'entre vous, hein, vous fait peur énormément. Et on va tenter ce soir de vous rassurer au maximum et d'essayer de répondre à toutes vos interrogations du mieux que nous le pouvons. Nous allons laisser place aux invités. Ce soir, pour parler du coronavirus et parler surtout des gestes barrières, parler de ce masque que nous portons, eh bien, nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous Madame Yvelise Deslans-Lubin, qui est infirmière chargée des projets de santé du rectorat de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Juste à côté de vous, le docteur Audrey Moustache. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous connaissons l'emploi du temps très chargé et nous sommes vraiment très touchés de votre réponse positive, hein, à cette émission ce soir. Merci. Et nous avons avec nous le docteur Valérie Denux, la directrice de l'ARS. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ce soir, juste avant, hein, de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on a dit qu'on allait quand même axer cette émission sur les gestes barrières, le port du masque, on voit beaucoup de choses, quelquefois il est mal porté. Eh bien, juste avant, on va, si vous le voulez bien, revenir sur les chiffres, des chiffres qui sont à la hausse. Docteur Valérie Denux. Oui, malheureusement, nous avons une augmentation des cas depuis un mois. Avec une augmentation qui a été très très importante la semaine précédente, avec un doublement de cas, c'est-à-dire on était passé de 325 cas à 675 cas dans la semaine uniquement. La semaine dernière, nous étions à 841 cas, ce qui évidemment est très très élevé, mais ce n'était pas un doublement par rapport à la semaine précédente. Mais très clairement, si on continue à ce rythme, ça va être de l'ordre de plus de 1000 cas par semaine. Et donc, c'est très inquiétant, très, très inquiétant, parce que le taux de reproduction du virus, il est au-dessus de 1. C'est-à-dire qu'une personne positive, elle le transmet à plus d'une personne autour d'elle. Donc, il faut absolument qu'on descende en dessous de 1. Il faut absolument qu'on ne se le transmette pas, ce virus. Parce que, évidemment, il y a des conséquences qui sont dramatiques, qui sont très très graves. Donc, lors de la première vague, je rappelle, on s'était arrêté à peu près à 175 cas. Aujourd'hui, on est à plus de 1300, 1400 cas. Donc, on est vraiment dans une diffusion qui est très importante. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tests. Donc, comme on fait beaucoup de tests, on trouve beaucoup. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est-à-dire que le taux de positivité, le nombre de personnes positives par rapport au nombre de tests est très élevé, beaucoup plus élevé qu'ailleurs en métropole. Donc il faut bien qu'on se dise qu'aujourd'hui, la circulation est très active sur notre territoire et ça m'inquiète. C'est très inquiétant. Alors, le test, justement, hein, la question que nous nous posons, est-ce qu'il y a une autre manière, un autre test fiable pour le moment, autre que le PCR ? Alors, il y a plusieurs types de tests. Il y a le test PCR, donc on fait un prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire par le nez, hein, et on va gratter le fond de la gorge. Et ensuite, il y a tout un travail au laboratoire de concentration du matériel génétique du virus pour l'identifier. Ça, c'est le test qu'on fait aujourd'hui. Ça nous permet de voir si on a le virus actif dans notre corps à ce moment du prélèvement. Il y a aussi des tests qui sont des tests sérologiques. Ça, c'est très différent, c'est une prise de sang, mais ça ne montre pas si vous avez le virus actuellement, ça montre si vous avez attrapé le virus. C'est comme une cicatrice, si vous voulez, dans le corps, qui montre que vous avez attrapé le virus. Aujourd'hui, il y a deux autres types de tests qui sont en cours de développement et d'expérimentation. Il y a le test antigénique, alors c'est un peu compliqué, mais en pratique, on met toujours un petit écouvillon dans le nez.
Sauf que là, on va chercher une production de la réponse du corps par rapport au virus, et ça va nous permettre de voir si effectivement cette réponse existe et donc il y a le virus. L'avantage de cette technique, c'est que le résultat est très rapide. On va mettre une petite bandelette avec un réactif et on va avoir le résultat beaucoup plus rapidement qu'avec les grosses machines qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est en cours d'expérimentation. Et puis, le dernier test qui est en cours d'exploration et d'expérimentation, c'est le test salivaire. Mm-hmm. Donc, on crache dans un petit pot et ensuite, on fait à nouveau la concentration du matériel génétique du virus. Ces deux tests, les deux derniers que je viens de citer, sont plus pratiques que le test PCR actuel. Sauf qu'il faut qu'on soit sûr qu'il soit très sensible, qu'il soit très efficace. Parce que si vous faites le test et qu'il est négatif, alors qu'en réalité vous êtes positif ou inversement, ça peut poser vraiment des difficultés de prise en charge. Quelquefois, docteur Moustache ou docteur Denux, hein, quelquefois on fait un test et on demande quand même d'en faire un autre. On fait le test PCR par exemple et on demande dans certaines situations de quand même faire l'examen sanguin. Ça vous est déjà arrivé ou l'inverse ? Alors, effectivement, on peut, en général, on commence par la PCR, puisque c'est elle qui permet de diagnostiquer la présence du virus dans l'organisme à la phase aiguë. Toutefois, la sérologie peut avoir son utilité si l'on veut savoir si le patient a déjà eu le COVID. D'accord. Par le passé. Deuxièmement, elle peut être faite en complément du dépistage. Si, par exemple, le test PCR n'a pas été réalisé dans les premiers temps et qu'on veut compléter le test PCR par une sérologie. De plus, la sérologie peut aider au diagnostic si le test PCR s'est révélé négatif. Comme on a dit, il a une certaine sensibilité, mais certaines fois, il peut y avoir des faux négatifs. C'est-à-dire que la personne est atteinte du coronavirus, mm-hmm. mais la PCR revient négative. Dans ce cas, et si le patient a par exemple des signes cliniques évocateurs du COVID ou même une imagerie telle qu'un scanner qui montre des images en vert dépoli qui sont assez significatives d'un coronavirus, à ce moment-là, on fait la sérologie pour trancher. Elle permet de savoir si la personne a eu le COVID ou pas. En cas de discordance, en fait, entre une PCR négative et une imagerie ou des signes cliniques évocateurs du COVID, elle peut aider. Alors, ce soir, on a dit qu'on allait mettre l'accent sur les gestes barrières. Ce ne sera jamais suffisamment répété. Et surtout, on va peut-être entrer un petit peu plus en détail dans certaines choses hein, à faire. Juste avant, je voudrais demander, alors je vous rappelle pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, je voudrais vous rappeler qu'on a aussi avec nous Madame Yvelise Deslans-Lubin, qui est infirmière chargée des projets de santé du rectorat Guadeloupe. Voilà une situation qui a demandé en amont une préparation particulière avant la rentrée. Comment ça va hein, maintenant que la rentrée elle est faite et qu'on a demandé certaines choses aux petits en école primaire et puis aux autres hein, plus grands à partir de 11 ans. Comment ça se passe? Comment vous sentez la situation du côté des établissements? Ben, au niveau des établissements, ce qui se passe, c'est que certes la rentrée a eu lieu. Donc, ça fait que 10 jours, hein, c'est relativement récent. Mmh. Donc, les situations particulières nous arrivent maintenant. Donc, nous devons les analyser, y réfléchir, y répondre et trouver des réponses adaptées. On n'a pas fini. Le téléphone n'arrête pas de sonner au niveau du service médical et au niveau du service infirmier. Donc, nous sommes surchargés et en surbooking. Donc, pour répondre à toutes les situations qui peuvent se poser ça et là dans les établissements. Pouvons-nous juste rappeler hein, ce qu'on a mis en place à la fois chez les tout-petits et puis ensuite en primaire, collège et lycée? C'est-à-dire au niveau... Au niveau des précautions à prendre, des gestes barrières. Je sais que les tout-petits ne portent pas de masque. Voilà. Mais les adultes, oui. Tout à fait. Alors, il y a deux cas de figure. Concernant les élèves, alors nous avons deux publics différents. Nous avons le primaire donc ce sont et les maternelles et les élémentaires. Et dans un second temps, nous avons le collège et le lycée. Concernant le primaire, donc ces élèves-là ne portent pas de masque. D'accord. Ok. Cependant, si un parent nous produit un certificat médical qui nous dit, moi, mon médecin, le médecin traitant m'a donné un certificat pour dire que mon enfant
a une maladie chronique et de fait, il a besoin de porter un masque malgré qu'il soit en primaire, il est évident que nous allons respecter cet avis-là. Et pour ce qui est du collège et du lycée, donc le protocole le dit très clairement, à partir de la sixième, donc à l'entrée au collège, tous les élèves portent le masque, que ce soit pendant la récréation et en plus pendant les déplacements. Vous avez le retour de ces élèves qui portent le masque ? Ben, c'est-à-dire que c'est nouveau, encore une fois. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ce port de masque. Pour certains, l'adaptation se fera plus ou moins facilement. D'autres, ça sera une galère. Il faudra un peu plus de temps. Voilà, il faudra du temps. Et pour d'autres, ça sera encore une galère. Mais ceci étant, porter un masque, ce n'est pas évident. On transpire, il ne faut pas oublier le taux d'humidité qu'on a en Guadeloupe. On transpire, on projette des gouttelettes, etc. Donc les gens ont besoin à un moment donné de respirer. Donc ça, on peut le concevoir tout à fait. Donc ce qui est préconisé tout simplement, c'est qu'un professeur, par exemple, qui a besoin de respirer, il sort tout simplement, il enlève son masque, il respire. Il remet son masque et il retombe parce qu'à un moment donné, voilà, on a besoin. Nous sommes des humains, et ce port de masque n'est pas évident du tout. Et puis en plus, on a un certain temps où on peut le garder. Voilà, donc, c'est 4 heures. Et là aussi, vous faites un travail en interne avec les élèves pour bien leur expliquer, pour que les parents puissent leur donner ce qu'il faut pour ceux et celles qui restent toute la journée en établissement. Mais c'est-à-dire que les infirmières et les médecins référents ont formé les professeurs qui, à leur tour, en forment actuellement encore les élèves. Donc, on a un très bon retour par rapport à ça. Et donc, les élèves sont sensibilisés maintenant aux gestes barrières, à tout ce qu'il faut faire. Donc oui, ça se passe relativement bien, finalement. Très bien. Docteur Moustache, Madame Denux, Valérie, parlons des gestes barrières. Revenons en détail sur ces gestes barrières. Expliquons à nouveau aux téléspectateurs, à la population, pourquoi on leur demande chaque chose et en quoi ça peut sauver des vies. On ne le dira jamais suffisamment. Allez-y, je continuerai. Alors, les gestes barrières sont indispensables parce que leur objectif, c'est de casser la chaîne de transmission du virus. Donc, il existe différents types de gestes barrières. Le port du masque en fait partie. Il existe plusieurs types de masques qui ont pour objectif, d'une part, de se protéger soi. Si toutefois nous étions en contact rapproché avec une personne atteinte du coronavirus, nous éviterions ainsi l'inhalation des postillons en cas de toux. Mais il permet également de protéger les autres. Si moi, je suis malade, je dois mettre mon masque pour éviter de tousser et de contaminer quelqu'un qui serait dans mon entourage. Avant de continuer, on a parlé de plusieurs masques. Oui. Je sais que vous avez ramené ce qu'il faut. Plusieurs types de masques. Alors, le masque en tissu, qui est préconisé pour le grand public. Effectivement, c'est le masque qui protège, c'est mieux que rien. On a également le masque dit chirurgical, qui protège et qui a un pouvoir beaucoup plus filtrant que le masque dit en tissu. C'est donc ce que nous portons. C'est ce que nous portons. Il est aussi bien indiqué chez la population en général comme le masque en tissu. Et il est également réservé aux professionnels de santé. Très bien. Et bien évidemment, le masque dit FFP2, qui a un pouvoir encore plus filtrant que le masque chirurgical, et qui, lui, est réservé aux professionnels de santé, aux personnes qui sont en contact avec des patients atteints dans des services dits spécialisés. D'accord ? Donc, ces différents masques ont pour objectif de protéger la population. Toutefois, faut-il encore bien porter le masque ? On voit très souvent des gens portant le masque sous le nez, cachant uniquement la bouche. C'est comme si on n'en avait pas. D'autres le suspendent en dessous de leur menton, d'autres le mettent sur une oreille. On a déjà tout vu. Donc, quand on porte un masque, avant de mettre son masque, on se lave les mains pour éviter de le souiller. On le place face blanche contre soi, avec la partie bleue ou verte, selon qu'il soit bleu ou vert, à l'extérieur.
On remarque qu'il y a une petite lamelle métallique à ce niveau. Donc, elle doit être placée au niveau du nez. On pince ensuite. Je peux le mettre, je oui, sais pas, oui, oui, pour montrer. Oui. Donc, vous posez le masque. Ensuite, vous appliquez les élastiques à l'arrière, bien évidemment. Vous pincez bien votre masque au niveau du nez et vous le déroulez sous le menton. Le masque doit donc cacher le nez, la bouche et doit être bien collé au visage. Bien évidemment, on évite de le tripoter pendant toute la journée. De toute façon, on doit le garder 4 heures au maximum. Et si jamais on venait à le réajuster, il est indiqué de se désinfecter les mains ou de les laver à l'eau et au savon. Ensuite, si toutefois on veut l'enlever, on l'attrape par les élastiques et on le jette soigneusement dans un sac plastique, dans une poubelle, et on se désinfecte à nouveau les mains. D'accord? Il ne faut pas attraper le masque à ce niveau. Pourquoi? Parce que s'il y a des particules virales, vous allez vous souiller les mains, les récupérer, peut-être les déposer sur une surface ou même ensuite vous toucher le visage et bien évidemment, vous allez vous contaminer. Donc ça, c'était pour le port du masque. Concernant les autres gestes barrières, il est préconisé de respecter la distanciation dite sociale d'environ 2 mètres. Pourquoi? C'est pour à nouveau éviter d'inhaler d'éventuels postillons, si quelqu'un dans votre entourage parlerait et, ou tousserait. Il faut bien évidemment se laver régulièrement les mains, soit à l'eau, au savon, soit avec la solution hydroalcoolique. Pourquoi? Parce que le virus se transmet aussi bien par voie aérienne que par contact, aussi bien direct et indirect. C'est-à-dire que si vous touchez une surface contaminée, vous allez vous souiller les mains. Et lorsque vous porterez éventuellement les mains au visage ou au nez, vous allez vous contaminer. Il faut l'intérêt aussi de désinfecter. Il faut donc désinfecter régulièrement les surfaces, mais également les objets personnels. Je pense au téléphone qu'on a souvent en main. Donc, il ne faut pas hésiter à désinfecter son téléphone, ses clés. Moi, je désinfecte ma voiture parce que je me dis qu'on ne sait jamais, les commandes. On peut désinfecter ses poignées de porte, les interrupteurs, tout ce qu'on est emmené à toucher, surtout s'il y a plusieurs personnes dans la maison et que plusieurs personnes sont emmenées à toucher ses poignées, ses interrupteurs. Il faut bien sûr éviter les salutations, ne pas serrer la main, ne pas embrasser les gens, éviter de se toucher le visage, les yeux. Si toutefois vous deviez tousser ou éternuer, il vaut mieux éternuer ou tousser dans son coude, encore une fois pour ne pas vous souiller les mains et ensuite aller serrer la main au voisin. Il faut éviter tous ces gestes qui peuvent promouvoir la transmission du virus. Il faut également, si vous vous mouchez, utiliser un mouchoir à usage unique et ensuite le jeter à la poubelle. Et même, on peut préconiser aussi de se changer lorsqu'on est sorti, qu'on a été dans une zone où il y avait beaucoup de personnes. On peut, lorsqu'on rentre à la maison, changer, mettre la tenue au sale, se doucher pour s'assurer d'éliminer un maximum de particules virales. Il y a quelque chose à rajouter, docteur Denux? Ma consoeur l'a vraiment très très bien décrit, donc non, je rajoute rien sur les gestes barrières. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, au niveau de l'ARS, nous avons lancé une campagne de communication pour dire d'abord que le virus est parmi nous et qu'il ne passera pas par moi. Donc pour ça, il faut que j'applique les mesures barrières telles que décrites par le docteur Moustache. Et puis, nous avons mis en place des petits bracelets comme ça, sur lesquels il y a marqué « Covid attitude ». Et le principe de la Covid attitude, c'est de s'engager avec une charte à respecter les gestes barrières qui viennent d'être décrits, à être fier de le faire, à protéger son entourage, à se protéger aussi, bien sûr, et puis à le dire à ses amis, à essayer de convaincre les autres de toute l'importance de ces gestes barrières. Alors, il faut aussi dire que ça va nous protéger, bien sûr, contre le coronavirus, c'est essentiel, mais tant qu'à faire, ça va aussi nous protéger pour d'autres maladies, telles que la grippe, telles que les rhumes, telles que... Donc, il y a un vrai, vrai intérêt à apprendre ces gestes, qui sont des gestes qu'on a peut-être oubliés d'hygiène, tout simplement. Tout simplement. Se laver les mains, faire attention. Donc, c'est vrai que, bon, il y a un côté un petit peu moins chaleur humaine, parce qu'on aime bien, en France, s'embrasser, se serrer la main, etc. Bon, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué, parfois. Mais vraiment, aujourd'hui, on est face à ce virus qui est quand même particulièrement virulent.
Dans les familles, c'est compliqué de faire ce qui vient d'être décrit. Hein. On le sait nous-mêmes. Parfois, on se dit, j'ai envie quand même d'embrasser mes parents ou sa famille. Mais quand on sait que les parents sont particulièrement fragiles, quand on est allé se promener, qu'on a rencontré du monde, qu'on sait très bien que potentiellement on est porteur du virus, il faut vraiment se dire que l'amour qu'on peut avoir pour sa famille, c'est en faisant les gestes barrières. C'est pas en les embrassant, c'est en faisant les gestes barrières. Alors, je ne sais pas si je me suis trompée, mais en me documentant, j'ai trouvé quand même que les gestes barrières, enfin, que tout ce qu'on est en train de mettre en place, ça ressemble un peu à ce qu'on met en place aussi quand on a la grippe. Oui, oui, bien sûr. Je me trompe pas. Ce sont les mêmes gestes barrières pour la grippe, quasiment. Oui, ce sont les mêmes, puisqu'ils ont les mêmes modes de transmission. Donc, on se protège de la même façon. De la même manière. Moi, je vous propose de marquer une courte pause. Et puis de se retrouver juste après pour continuer à parler des gestes barrières, du coronavirus, mais quelques questions qu'on nous a laissées aussi, puisque vous savez que cette émission, nous la faisons avec les téléspectateurs et ils nous ont laissé quelques questions. Donc on va essayer de répondre aux interrogations. Et nous voilà de retour après cette courte pause. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, je voudrais vous rappeler que ce soir, nous sommes avec le docteur Audrey Moustache, nous sommes avec Yvelise Deslans-Lubin, infirmière chargée des projets de santé du rectorat de la Guadeloupe, et avec le docteur Valérie Denux, directrice de l'ARS. Merci encore, mesdames, d'être sur ce plateau. Nous allons tenter, jusqu'à la fin, de répondre au maximum à vos interrogations. Quelques questions. On a quelques questions des téléspectateurs, puisque nous faisons l'émission ensemble. On a Christelle de Vieux Habitants qui nous demande « Certaines personnes portent le masque même quand ils sont en voiture. Est-ce nécessaire ?» En fait, quand on est tout seul dans sa voiture, voilà. C'est pas nécessaire, très clairement. Maintenant, si on est dans la voiture, qu'on monte, qu'on descend, qu'on va faire une course et qu'on revient dans la voiture, on ressort, il est préférable de le garder parce que ça évite de le manipuler, justement, de l'enlever, le remettre toutes les 5 minutes. Donc l'idéal, c'est que quand on va faire une course, donc on met son masque, et si ensuite on n'a pas besoin de redescendre de la voiture et qu'on veut enlever le masque, on l'enlève précautionneusement, on le met dans un petit sac en plastique et on se désinfecte les mains avant de toucher le volant et le levier de vitesse, etc. Donc ça peut être utile, mais c'est pas indispensable si jamais on ne fait que le trajet. David de Capesterre nous demande, est-ce que c'est vrai que certains masques ne sont pas conseillés parce qu'ils ne nous protègent pas? Laissez le docteur Moustache. Personnellement, je ne dirais pas qu'il y ait un type de masque qui ne soit pas conseillé. Quel que soit le masque que vous porterez, ce sera toujours mieux que rien du tout. Par contre, au sein des différents masques, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les masques en tissu sont moins filtrants que les masques chirurgicaux, qui eux-mêmes sont moins filtrants que les FFP2. Il y a différents degrés de filtration en fonction du risque auquel on est exposé. Bien évidemment, si vous êtes dans un hôpital, dans un service COVID, vous n'irez pas avec un masque en tissu. Après, l'inverse aussi. Si vous êtes dans tout public, on ne va pas forcément vous obliger à porter le FFP2. Donc, il n'y a pas de masque qui ne soit pas indiqué, mais chaque masque a un pouvoir filtrant qui est différent. Donc, il faut adapter au risque encouru. Je voudrais peut-être, excusez-moi, ajouter quand même quelque chose d'important. C'est que malgré tout, le masque FFP2, il faut vraiment le réserver aux personnes qui en ont réellement besoin. C'est-à-dire que ce sont des masques d'abord qui sont très difficiles pour respirer. C'est très désagréable de porter ce type de masque pendant longtemps. Donc c'est pas vraiment utile de le faire. Et enfin, le masque FFP2, c'est fait parce que c'est un peu plus épais, c'est fait pour protéger contre les projections. Donc quand un professionnel de santé va soigner un patient qui tousse ou va faire un geste invasif, là c'est utile. Mais pour la population, même quelqu'un de fragile, le masque chirurgical, ça marche bien. Je rappelle quand même qu'on fait des opérations chirurgicales avec. Donc, c'est quelque chose qui protège. On a Marie-Eva de la Désirade qui nous demande si nous avons chez nous un cas de coronavirus, sommes-nous forcés de faire le test pour toute la famille? Alors, non. Il faut apprécier le niveau de risque.
C'est-à-dire qu'un cas contact à risque élevé pour lequel il faut faire des tests, c'est quelqu'un avec qui on a eu des moments de proches sans masque, où on est resté vraiment en proximité pendant plus de 15 minutes les uns avec les autres. Donc, bien sûr, quand on vit dans une même maison, probablement que la promiscuité est grande, donc il est préférable à ce moment-là de faire les tests, oui. Mais quand on a juste eu la cousine qui est venue visiter et qu'elle a respecté les gestes barrières, il n'y a pas forcément besoin que la cousine soit testée. Très bien. Olivier Dumoule nous demande combien de temps et comment faire pour avoir les résultats. Voilà plus de 4 jours que j'ai fait mon test et je n'ai toujours pas les résultats. Alors, c'est vrai que les laboratoires sont débordés. Hein. Il y a beaucoup de demandes. Donc, ils ont des délais de rendu des résultats qui sont trop longs par rapport à ce qu'on voudrait. Mais je sais qu'ils font vraiment leur possible pour diminuer ces délais. Et tout à l'heure, quand je parlais des nouveaux tests qui seront plus rapides, probablement que ça va vraiment nous aider. On a Karina de Goyave qui nous dit « À l'école, on demande aux enfants de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, mais ils ne portent pas de masque. Seuls les adultes en portent. Êtes-vous sûr que cela reste suffisant pour protéger nos enfants ?» Écoutez, là, sur ce coup-là, nous nous référons aux recommandations nationales. Les recommandations nationales émanent quand même du Conseil scientifique, du Collège de pédiatres, du ministère de la Solidarité. Bon, ce sont des personnes sérieuses qui prennent des décisions. Donc, ils ont dit pas de masque en primaire. Mm-hmm. Nous appliquons pas de masque en primaire. Marie-Paul de Grandbourg, de Marie-Galante, nous demande comment faire autrement le test, car mon époux souffre à répétition d'allergies et a donc le nez très fragile. Ben, comme on l'a dit, pour l'instant, si monsieur veut se faire tester et savoir s'il est réellement atteint du coronavirus, pour l'instant, le test fiable reste la PCR. Donc, il fera sa PCR s'il veut avoir la certitude de savoir si effectivement il est atteint ou pas. Après, si tout dépend aussi des signes. Est-ce qu'il a des signes cliniques qui seraient en faveur d'une atteinte au coronavirus? Bien qu'on sache qu'on puisse très bien être positif au coronavirus et être asymptomatique. Mm-hmm. Donc, est-ce que ce monsieur tient absolument à se faire tester dans l'immédiat? Est-ce qu'il veut savoir s'il est réellement atteint du coronavirus maintenant, sachant qu'il peut très bien faire le test aujourd'hui? Le test sera négatif et demain rencontrer quelqu'un qui peut lui transmettre la maladie. Donc, le test fiable pour l'instant, c'est la PCR. Après, on peut toujours faire, comme on l'a dit, la sérologie, mais la sérologie mettra en évidence l'existence ou non d'anticorps qui permettront de dire s'il l'a eu ou pas. Donc, ça dépend du contexte un peu clinique qu'il y a autour. Est-ce qu'il s'agit d'une personne fragile? Est-ce qu'il s'agit d'une personne à risque? Voilà. Alors, on a Claudia de Maison Alfort qui demande que doit-on faire pour être sûr et certain de ne pas être contaminé? Ben, je pense que tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, hein, non? En fait, je pense qu'on ne peut jamais être sûr et certain. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut, c'est impérativement être très rigoureux dans le respect des gestes barrières. Donc, c'est vrai qu'il faut être systématique. Il ne faut pas, à un moment donné, se dire « Bon, là, aujourd'hui, ce n'est pas grave. » Ou alors, « Bon, ben, on va à l'anniversaire de la famille, de quelqu'un de la famille. » On se dit « Bon, là, on va boire un peu de champagne. Ce n'est pas grave, on va se détendre. » Non, il faut tous les jours respecter les gestes barrières. Comment ça se passe en interclasse? Comment ça se passe à la récréation ou encore au niveau de la restauration scolaire? Alors, au niveau de la restauration scolaire, les élèves, ce qui est préconisé, c'est que les élèves soient en groupe classe et ça permet de les identifier au cas où il y aurait un cas positif. Donc, pour faire le tracing, ça sera beaucoup plus simple. À la récréation, donc, les élèves vont se laver. N'oubliez pas qu'ils ont été formés par les professeurs, hein, c'est ce que je vous ai dit amont. Donc, ils sont très sensibilisés, ils vont se laver les mains avant. Au retour de la récréation, ils portent leur masque, ils profitent de leur récréation. Et donc, c'est à peu près ce que vous avez mis en place tout à fait pour le moment et qui fonctionne pour le moment. Oui, ça fonctionne. Il y a de bons retours, ça s'applique bien, voilà.
Est-ce qu'on peut rappeler les symptômes? C'est le docteur Moustache. Alors, le coronavirus a différents symptômes qui ne sont pas pathognomoniques du coronavirus, bien évidemment, ce serait trop facile. Donc, en fait, on peut présenter une fièvre, on peut présenter également des céphalées, des maux de tête, des courbatures, un rhume. On a bien vu que le coronavirus se décline sous toutes les formes. On peut être asymptomatique, tout comme on peut faire la forme la plus grave. Donc fièvre, tout, le nez qui coule, le mal de gorge, les courbatures, des cas également de diarrhée. Il est aussi reporté des pertes d'odorat et de pertes de goût pour certains patients. Mais alors, à noter quand même d'autres signes qui pourraient être évocateurs de coronavirus, surtout sur les personnes âgées de 80 ans. On peut retrouver une altération de l'état général, une décompensation d'une pathologie chronique, des diarrhées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Également un syndrome confusionnel, quelqu'un qui habituellement raisonne parfaitement et là qui peut être somnolent, confus. Tous ces signes doivent alerter, hein, parce que le coronavirus, comme on l'a vu, peut se présenter sous différentes formes. On peut avoir aussi cet essoufflement, qu'on appelle la dyspnée, des difficultés respiratoires. Donc, la personne a du mal à respirer et ça, malheureusement, cela constitue des signes de gravité qui peuvent faire évoquer une forme grave et qui nécessite à ce moment-là une prise en charge à l'hôpital, voire en soins intensifs. Alors, il y a une question qu'on se pose. Vous savez, souvent, quand on communique, eh bien, on entend dire, quand vous avez ces symptômes-là, allez chez le médecin. Et certains médecins disent, mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on sent qu'on est malade, quand, limite, on est sûr, on est presque sûr qu'on a le Covid, on a fait le test, il est positif. Que doit-on faire? Que doit-on faire à ce moment-là? Moi, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il nous arrive, nous médecins, de recevoir des patients qui viennent pour une simple fièvre, un fébricule, le nez qui coule, un petit mal de gorge. Ce sont des symptômes qui habituellement sont attribuables à une rhinopharyngite. Et malheureusement, les patients se précipitent chez leur médecin parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont atteints du Covid. Donc, ils viennent naturellement consulter, vont malheureusement passer des heures en salle d'attente à attendre leur tour et potentiellement contaminer tous les autres patients de la salle d'attente. Même nous, lorsque nous les voyons, comme il s'agit de formes post-symptomatiques, il n'y a pas le tableau clinique évocateur, eh bien, nous les consultons. Par sécurité, nous prescrivons par exemple le test PCR et une semaine après, on nous appelle en nous disant que c'était positif. Donc, ces patients-là, malheureusement, ne se sentaient pas concernés, ne pensaient pas qu'ils étaient atteints du Covid et se sont précipités chez leur médecin comme ils ont l'habitude de le faire. Après, si on a été, par exemple, je ne sais pas, en contact avec quelqu'un qui s'est avéré avoir le Covid et que chez soi, on a des symptômes de la fièvre, les maux de tête et tous les autres symptômes décrits, là, on est quand même une personne à risque. On est potentiellement un cas contact ou un cas probable. Si on sent qu'on est presque sûr d'être atteint du coronavirus et qu'il n'y a pas d'autre diagnostic à évoquer, bien évidemment, il ne faut pas se précipiter dans la salle d'attente du médecin puisqu'on risque à tout moment de contaminer les autres personnes qui sont, par exemple, venues pour renouveler leur traitement et qui ne sont pas malades. Donc, à ce moment-là, il faut téléphoner au médecin pour expliquer ce que l'on ressent. S'il c'est possible, faire de la téléconsultation, mais ce ne sont pas tous les cabinets qui en sont équipés. Mais on peut toujours donner des conseils par téléphone en tant que médecin, expliquer au patient qu'en cas de doute, il doit pratiquer les gestes barrières, mettre son masque, s'isoler, puisque même si on va lui prescrire, effectivement, on peut faire très bien une ordonnance pour le patient, la lui faire parvenir par mail ou une autre personne éventuellement peut venir récupérer. Mais le temps que la personne aille faire le test et qu'elle ait les résultats, il s'écoule quand même un certain temps. Surtout qu'on a vu que les laboratoires sont débordés et que le temps de remettre les résultats, il peut s'écouler parfois 15 jours entre l'apparition des premiers symptômes et le résultat. Donc, devant tout doute, il faut pratiquer les gestes barrières et s'isoler pour qu'entre-temps, on ne continue
contamine pas d'autres personnes et notamment l'entourage immédiat, les enfants ou le conjoint. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Mais en tout cas, quand on est presque sûr d'être atteint du Covid, il ne faut surtout pas se précipiter chez le médecin. Après, si on a vraiment des signes de gravité, c'est-à-dire qu'on a des difficultés respiratoires et qu'on sent que vraiment son état, notre état s'aggrave, si le patient sent vraiment qu'il est très gêné pour respirer, a fortiori s'il a des pathologies chroniques, respiratoire qui plus est, parce qu'il y en a qui ont des soucis, des problèmes respiratoires antérieurs à une contamination par le coronavirus, à ce moment-là, on peut aussi contacter le 15 pour expliquer la situation et se diriger, être dirigé ensuite vers l'hôpital. Alors, Madame Yvelise Deslandes-Lubin, c'est vrai que la rentrée a eu lieu récemment. Depuis, quelques écoles ont fermé, pas seulement à cause du problème de l'eau, mais aussi parce qu'il y a eu des cas. Est-ce que ça remet en question tout le travail que l'Éducation nationale a fait en amont pour mettre un maximum de précautions pour nos enfants? Est-ce que ça remet en question tout ce travail-là? Non, parce qu'il faut d'abord que les gens s'approprient ce protocole. Il n'est pas évident à comprendre. On voit bien au travers de l'actualité que tel établissement a fermé alors qu'il n'y avait qu'un seul cas. Un autre, c'était trois cas. Donc, il va falloir... Bon, comme je vous disais, c'est les balbutiements de la rentrée. Donc, il va falloir effectivement revoir peut-être les règles, instaurer un protocole qui risque d'apparaître dans pas longtemps, de façon à ce que ce soit plus clair pour les parents, pour les chefs d'établissement et pour les enseignants et pour les élèves. Voilà, peut-être qu'il manque encore de... Voilà, il faut se réajuster par rapport au nombre de cas, à partir du nombre de cas pour lesquels on peut fermer, dans quel cas on peut fermer, etc. Ça manque de cohésion, donc il va falloir... Les choses se mettent en place tout doucement, Mais sûrement. Mais absolument, on y croit, il n'y a pas de raison. Mais on doit y croire, parce que sinon, mon Dieu, où allons-nous? Justement, docteur Valérie Denux, on a cette crainte de se dire, est-ce qu'à l'allure où les choses sont... où les effectifs sont à la hausse, est-ce qu'on ne va pas retomber dans une période de confinement comme on l'a été il y a quelque temps? Écoutez, en tout cas, on fait tout pour éviter ça, parce que ce serait, je pense, vraiment un problème important pour notre territoire, parce que sur le plan économique, bien sûr, mais aussi les patients qui ont d'autres maladies, puisque quand on est confiné, on est moins pris en charge, on peut avoir des retards de soins. Donc, je voudrais vraiment qu'on évite ça. Maintenant, on n'a que deux options. La première option, c'est on met en place bien les gestes barrières et on arrive à freiner cette épidémie en ne transmettant pas le virus. Donc, il faut de toute façon, dès qu'on a un doute, et que même en attendant le résultat du test et tout, il faut se dire, je suis porteur du virus. Comme ça, on fait bien les gestes barrières, on fait bien attention. Si malheureusement, ça ne marche pas suffisamment, on sera amené, on en discute avec monsieur le préfet, on en discute avec le niveau national, à prendre des mesures de diminution de la circulation des personnes jusqu'à l'extrême qui pourrait être un reconfinement. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, eh bien, ils sont tous débordés, les médecins, les laboratoires. En fait, vraiment débordés, est-ce que vous avez déjà pensé avec toute l'équipe de mettre certaines choses en place dans les jours à venir? Écoutez, on a préparé le système de santé avec des niveaux et on a mis 6 niveaux. Aujourd'hui, on est au niveau 4. 4. D'accord ? Donc, ça devient critique. Donc, bien sûr qu'à chaque niveau, on rajoute des choses, des renforts, par exemple, des professionnels de santé qui viennent de métropole pour appuyer nos établissements. On met en place des organisations. On met en place, malheureusement aussi, des déprogrammations de prise en charge classique pour se consacrer au coronavirus. Donc là, ça devient vraiment très critique et c'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête. Alors moi, par exemple, ma grand-mère m'a dit, mais si je suis malade, les 20 lits sont déjà pris en réanimation, mais si je suis malade, mais je vais mourir.
qu'est-ce qu'on va faire de moi? Alors, je prends cet exemple parce que je me dis, nos grands-parents se posent ce type de questions. Et que doit-on répondre pour les rassurer? Alors, en fait, en mettant en place les niveaux, le but, c'est de pouvoir prendre en charge les patients du coronavirus tout en continuant, parce qu'on continue la vie normale, donc à prendre en charge les autres personnes. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on n'atteigne pas des sommets très importants de l'épidémie. Donc à un moment donné, quand on sera plus en mesure de faire ces deux choses en même temps, il va falloir s'interroger sur effectivement des mesures de confinement, parce que le système de santé n'est pas non plus infini. Mais en tout cas, pour rassurer votre grand-mère, l'objectif, c'est vraiment... Et toutes les grands-mères qui nous regardent. C'est de continuer à prendre en charge les personnes de la meilleure manière possible, ouais, sur le territoire. Docteur Moustache, de toute façon, dans le domaine médical, vous aussi, je parle des collègues, les médecins, vous vous posez énormément de questions. Effectivement, nous sommes inquiets, puisqu'il y a une recrudescence des cas. Et bien sûr, c'est un virus qui se présente, comme on l'a dit, sous différentes formes. Donc, face à cela, nous nous posons plusieurs questions. Qu'est-ce qui sera mis en œuvre très bientôt? Parce que les capacités d'accueil de nos hôpitaux, nos établissements seront bientôt dépassées. Malheureusement, il y a des décès à cause du coronavirus. Donc, il faut se rendre à l'évidence, nous sommes face à une pathologie qui est mortelle, hein, malheureusement. La prévention, c'est effectivement de respecter de manière rigoureuse les gestes barrières. Mais actuellement, nous nous rendons compte quand même que la prévention ne suffit pas. Donc, il faudra augmenter certainement, j'imagine, les moyens de dépister les personnes, puisque les laboratoires sont débordés et on voit qu'il y a de plus en plus un rallongement du délai dans la remise des résultats, ce qui fait que beaucoup de personnes dans l'attente du résultat du test ne pratiquent pas forcément les gestes barrières et continuent de contaminer d'autres personnes. Il faudra probablement aussi augmenter les capacités d'accueil des hôpitaux, parce que effectivement, nous n'avons pas des hôpitaux extensibles, donc nous nous inquiétons face à tout cela. Comment allons-nous endiguer cette épidémie? Comment allons-nous l'anticiper, s'il n'est pas un peu tard pour parler d'anticipation, puisqu'actuellement, elle est là, et il faudra faire avec, quelle que soit la situation. Nous nous posons aussi des questions concernant les dotations en masques, qui, selon mes informations, doivent cesser. Enfin, je parle des dotations gratuites pour les professionnels de santé en masque, qui sont censées se terminer au mois d'octobre. Et il faut se rendre à l'évidence, nous serons en pleine épidémie de coronavirus aux Antilles, en Guadeloupe. Qu'en est-il des dotations de masques aussi pour les patients dits fragiles? Qu'en est-il de la prise en charge des patients une fois qu'ils ont été diagnostiqués COVID+, qu'ils soient des formes aussi symptomatiques? Bon, à la rigueur, cela, on peut les surveiller à domicile, mais les formes graves, qu'est-ce qui sera mis en place? Comment allons-nous augmenter le nombre de lits d'hospitalisation, notamment en soins intensifs et en réanimation? Qu'est-ce qui sera fait? Nous sommes inquiets. Nous sommes très inquiets. Des questions sur lesquelles vous travaillez déjà avec toute l'équipe et que vous essayez en tout cas de solutionner. Oui, absolument. Alors moi, j'entends parfaitement toutes ces questions parce que nous avons les mêmes, hein, bien sûr. Sauf que ces questions-là, nous les travaillons déjà depuis plusieurs mois, puisque dès la première vague, on y a travaillé. Alors de manière très, très synthétique, tout d'abord sur la montée en puissance des capacités d'hospitalisation, on travaille dessus, à la fois sur la réanimation, on pourrait monter jusqu'à 81 lits de réanimation, alors en déprogrammant l'activité normale, hein, donc c'est pas une bonne chose évidemment, mais enfin on pourrait le faire. On a les capacités aussi de transformer des lits en médecine Covid, on travaille aussi sur les suites de soins des post-Covid. Bien sûr, si la montée en puissance de la prise en charge du territoire n'y suffit pas, c'est des évacuations sanitaires, alors avec la Martinique, parce que pour l'instant, ils sont moins tendus que nous, mais ça pourrait être l'inverse à un moment donné, comme on l'a fait avec la Guyane, hein, s'entraider bien sûr au niveau zonal. C'est aussi des évacuations sanitaires, si besoin était, vers la métropole, pour les patients, par exemple, qu'on déprogrammerait, mais qui auraient besoin d'une chirurgie quand même, de ne pas attendre trop longtemps. Bien sûr, on travaillerait avec les familles, on travaillerait avec les patients là-dessus.
Pour ce qui concerne la question sur les masques, c'est vrai qu'il était prévu que 1er octobre, on arrête les distributions gratuites aux professionnels de santé qui, eux, s'approvisionnent par eux-mêmes. Ceci étant, avec le national, on travaille pour monter en charge nos stocks du territoire. Donc évidemment, s'ils ont des difficultés à s'approvisionner, on sera là en appui, puisqu'on va grossir énormément les stocks pour ça. Et les personnes fragiles, bien sûr, celles qui sont sur prescription, c'est pareil, c'est faire en sorte qu'il y ait les stocks suffisants vis-à-vis des pharmacies pour pouvoir leur attribuer, bien sûr, les masques. Donc on est dans l'anticipation. J'espère que tout ça n'aura pas besoin d'être mis en œuvre de manière trop importante. C'est ce que nous espérons tous. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Ça passe vite, une heure. J'espère qu'on a rassuré nos téléspectateurs, nos Guadeloupéens. J'espère qu'on a répondu à certaines de leurs interrogations. Je voudrais, pendant les 5 minutes qui nous restent, je voudrais vous laisser la parole pour que vous puissiez rassurer tout le monde, faire passer des messages à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que souvent j'ai entendu, puisque j'ai fait un petit sondage un petit peu dans la rue, plus précisément sur le marché hier du Moule, et j'ai beaucoup entendu pas ni traitement, pas ni vaccin, pas ni cabane en réanimation. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin et les lits en réanimation sont insuffisants. De toute façon, si on va mal, on va mourir. J'ai tellement entendu ça hier que je me suis dit non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour que les gens ne soient pas dans cette réflexion, parce que ça doit être vachement douloureux. Moi, je crois qu'il ne faut pas du tout être fataliste, il ne faut pas du tout se dire ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de traitement spécifique, mais il y a quand même, on a des traitements pour améliorer la situation, notamment diminuer l'inflammation avec l'hydroxycortisone. On a des moyens de pouvoir améliorer encore la prise en charge par rapport à la première vague. Et puis, très clairement, il faut quand même dire que beaucoup de personnes ne sont pas hospitalisées, ne vont pas en réanimation, elles s'en sortent plutôt bien, parfois avec de la fatigue, mais ce n'est pas du tout fatal, si vous voulez, systématiquement. En revanche, les personnes fragiles, les personnes qui ont d'autres pathologies, elles ont des risques très élevés. Donc, il faut qu'elles se protègent avec les gestes barrières. Et moi, je dis que la Covid attitude, c'est quelque chose qui peut vraiment sauver. Docteur Moustache, un petit mot de la fin. Oui. Alors, j'invite tous les Guadeloupéens à être responsables, c'est-à-dire que face à cette épidémie de coronavirus, nous devons nous sentir tous concernés, ne pas penser que ça ne nous intéressera pas. Comme je l'ai souvent entendu dire, certains m'ont dit « un pifoki coronavirus ». Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous concernés. Seulement, il y a des gens jeunes qui pourront s'en sortir, mais il faut penser que même si nous sommes jeunes, et que nous sommes contaminés par le coronavirus, nous allons peut-être être des vecteurs de la transmission pour des personnes qui, elles, seront beaucoup plus fragiles et qui ne pourront pas s'en sortir face à cette pathologie. Autrement dit, j'invite toute la population, aussi bien les jeunes que les personnes âgées, à respecter les gestes barrières. Portez votre masque, portez-le correctement, évitez les sorties inutiles. Continuez, certes, de vaquer à vos occupations, mais tout en respectant de manière rigoureuse les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains, comme on l'a dit, toussez, éternuez dans votre coude, d'utiliser votre mouchoir, ne sortez pas, respectez la distanciation sociale. Faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas être contaminé par le coronavirus et pour ne pas contaminer les autres. Cela passe vraiment par notre responsabilité si nous voulons nous en sortir aujourd'hui. Très bien, merci docteur Moustache. Madame Yvelise Dillon-Lubin, rassurons les parents. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Le maître mot, c'est la prévention. Je crois que j'emboîte le pas de ce que disait le docteur Moustache. Effectivement, le port du masque, les gestes barrières, voilà, il faut que ça fasse corps avec nous et que nous les utilisions un maximum. Maintenant, il faut faire confiance aux parents, aux élèves, à la communauté scolaire. Voilà, tout le monde, c'est ce qu'on dit, de ce qu'on va faire en individuel, il y aura un retentissement sur le plan collectif. Donc nous sommes tous dans le même bateau.
Donc il faut que nous puissions, encore une fois, la prévention. Docteur Denix, Covid attitude ? Oui, Covid attitude. Merci. Nous faisons passer au maximum ces messages. Le bouche à oreille marche aussi dans nos familles. Chers téléspectateurs, pour ceux et celles qui ont regardé l'émission ce soir, n'ayez pas peur d'en discuter chez vous, d'en discuter avec le voisin, d'en discuter dans la famille. Nous devons tous avoir donc cette Covid attitude pour que nous puissions nous protéger et que nous puissions protéger les autres. Merci à vous d'avoir suivi cette émission ce soir. Merci docteur Valérie Denux de votre présence ce soir. Merci docteur Moustache avec un planning hyper chargé mais qui trouve toujours le temps pour nous. Merci à vous Yvelise Deslandes-Lubin puisque vous avez énormément de travail en ce moment. Le téléphone sonne à tout bout de champ puisque les choses se mettent en place depuis cette rentrée récente. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine émission Santé 10, un prochain numéro Zoja Connect, même lait, même télé.